En visite de travail et d'amitié au Mali, le Premier ministre sénégalais a édifié la population malienne sur l'agissement de son pays sur la question de l'AES et de la CEDEAO. Vous allez avoir plus de détails dès l'entame de ce journal. 500 000 euros, soit plus de 320 millions de francs CFA, c'est ce qui a été saisi par les douanes à l'aéroport international président Modibo Keïta Senou. Et selon la cellule de communication de la Direction générale des douanes, le propriétaire, homme d'affaires, faisait sortir cette importante somme d'argent du pays pour Congo-Brazzaville. Le vol de bétail en tant qu'activité relevant du crime organisé persiste toujours dans plusieurs localités du pays et ce malgré les efforts des forces armées et de sécurité. Voilà donc pour les sommaires. Ce retard est totalement indépendant de notre volonté. Merci de le comprendre et merci de votre fidélité au programme de la télé totalement votre. Bienvenue dans ce journal. Je vous le disais tout de suite dans les titres, lors de sa visite de travail et d'amitié effectuée ce lundi à Bamako, le Premier ministre sénégalais a tenu à édifier la population malienne sur l'agissement de son pays sur les questions de l'AES et de la CEDEAO, tout en tenant compte des relations bilatérales entre le Sénégal et ses pays voisins. Ousmane Sonko a précisé que chaque pays est souverain et libre de ses choix. Et cela doit être respecté. Suivons avec Oumar Koïta. Pour cette première visite officielle depuis sa nomination, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a mis l'accent sur la coopération bilatérale qui existe entre le Mali et le Sénégal. Sur la question de la position de son pays vis-à-vis de l'AES, le chef du gouvernement sénégalais a tenu à mettre l'accent sur certains points en tenant compte de sa position panafricaniste. Pour lui, chaque pays est souverain et libre de ses choix et que cela doit être respecté. Nous n'avons jamais pris position pour dire que le Sénégal va rejoindre telle organisation ou telle autre. Ça, c'est la première chose. Nous sommes tous des pays souverains. Nous nous respectons, nous devons nous respecter dans nos choix souverains. Et nous respectons le Mali dans ses choix. Nous respectons le Burkina dans ses choix. Nous respectons tout le monde, des choix que nous comprenons. Puisqu'on a toujours dit, et je l'ai rappelé, bien après avoir été Premier ministre, que beaucoup d'erreurs ont été commises par les chefs d'État de la CEDEAO, et que souvent on s'est intéressé beaucoup plus aux symptômes qu'aux causes réelles qui nous ont conduits à cela. Ça n'a pas changé chez nous. Alors qu'est-ce qu'on nous reproche? D'avoir ou d'être en train de travailler pour continuer à réunir la famille. Depuis quand on peut reprocher à un panafricaniste de faire tout pour qu'on reste dans des cadres solides plutôt que de nous diviser. C'est ça là qu'on nous reproche. Et donc, ça veut dire qu'on a changé. Le chef de gouvernement sénégalais a souligné aussi que cette position des pays de l'AES n'affectera en rien la coopération bilatérale entre son pays et les États membres de l'AES. Nous continuerons à travailler. Et je l'ai dit, quel que soit l'aboutissement ou le choix qui a été fait, cela ne changera absolument rien dans nos relations avec chacun des pays et les cadres qui seront mis en place. Au contraire, ça pourrait même les renforcer. Il faut que nous soyons, nous mettions les émotions de côté et que nous travaillions sur la base de préoccupations concrètes. Si on se dit panafricaniste, tout panafricaniste doit avoir comme seul et unique objectif de réunir les Africains. Au-delà de nos divergences. En prélude de ces déclarations, Ousmane Sonko a eu un tête-à-tête avec le président de la transition, colonel Assimi Goïta, sur la question sécuritaire et régionale, les opportunités de coopération économique et de développement. N'eût été la vigilance des agents de douane de l'aéroport international président Modibo Keïta Senou, en particulier, allait faire sortir du pays la somme de 500 000 euros, soit plus de 320 millions de francs CFA. Et selon la cellule de communication de la Direction générale des douanes, le propriétaire, homme d'affaires, faisait sortir cette importante somme d'argent du pays pour le Congo-Brazza. On en sait plus avec Aminata Bachokone.
Engagés dans la lutte contre la fraude, les douanes viennent de reçir un nouvel autre exploit à l'aéroport international président Modibo Keïta de Bamako-Sinou avec la saisie de 500 000 euros dans un emballage de fortune. Selon la cellule de communication de la direction générale des douanes, le propriétaire, un homme d'affaires, s'apprêtait à faire sortir du pays cette somme importante à destination du Congo-Brazzaville. Le délinquant, malgré la complicité locale, n'a pas intégré dans sa démarche de contournement le professionnalisme des hommes de l'inspecteur général Amadou Konaté. Il n'a pas été plus inspiré que d'emballer soigneusement les liasses d'héros et de les cacher au fond d'un colis banalisé. La circulation des fonds doit être nécessairement traçable et contrôlée dans le contexte actuel de terrorisme international. À défaut, les contrevenants à cette mesure s'exposent à la rigueur de la réglementation douanière. Les agents de douane, grâce à un système de profilage très avancé sur la base du renseignement, n'ont mis que quelques heures pour démasquer les contrevenants. C'est dans la zone d'embarquement qu'il a été interpellé et confondu après la découverte, précise la cellule de la direction générale des douanes. Dans le cadre de la journée africaine de lutte contre la corruption célébrée chaque 11 juillet, la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption en partenariat avec le projet à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres a organisé ce mardi 13 août 2024 un panel sur la problématique de la protection des dénonciateurs et des lanceurs d'alerte. Tenu dans un hôtel de la place, ce panel avait pour objectif d'attirer l'attention sur la nécessité de poursuivre les efforts pour l'aboutissement du processus d'adoption de la loi visant la protection des lanceurs d'alerte. Le compte-rendu est signé Amadou Diarra. Dans le but de mobiliser les leaders, femmes et jeunes, autour de la problématique de la lutte contre la corruption, notamment sur la question de protection des lanceurs d'alerte et les dénonciateurs, la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption, en partenariat avec le projet d'appui à la lutte contre la corruption, pour et par l'égalité des genres, a organisé ce présent panel. L'objectif général de ce panel est d'attirer l'attention sur la nécessité de poursuivre nos efforts pour l'aboutissement du processus d'adoption de la loi visant la protection des lanceurs d'alerte. Le rôle des partenaires OSC du projet LUSEC dans ce processus a été crucial. En effet, la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption, la coalition des organisations de la société civile contre la corruption, l'association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière, ont participé à plusieurs séances de réflexion aux côtés des autorités dans le cadre de l'élaboration d'une loi visant la protection des lanceurs d'alerte au Mali. Après avoir réitéré son engagement à lutter contre la corruption, le représentant de l'ISEC a invité tous les acteurs à se mobiliser pour protéger les lanceurs d'alerte. C'est le lieu de saluer et remercier l'engagement des organisations de la société civile regroupées au sein de la coalition des OSC pour la lutte contre la corruption et la pauvreté, pour avoir plaidé pour l'adoption d'une loi de protection des lanceurs d'alerte devant le Conseil national de transition qui est en cours de discussion. Vivement son adoption définitive et effective et son application stricte. Présent à la cérémonie, le président de l'OCLEI n'a pas manqué de souligner le rôle des lanceurs d'alerte dans la lutte contre la corruption. À travers les actions des lanceurs d'alerte, les institutions, les structures, instances administratives et juridictionnelles reçoivent des alertes, des informations, des pièces, des éléments de preuve pour alimenter des dossiers. Et je puis vous assurer qu'un dossier avec dénonciateur est beaucoup plus consistant qu'un dossier sans dénonciateur. Au terme de ce panel, la compréhension des 80 leaders, femmes et jeunes, a été renforcée sur la problématique de lutte contre la corruption, notamment sur la question de protection des lanceurs d'alerte et des dénonciateurs.
Par ailleurs, l'Institut de numérisation de conservation physique des manuscrits, de leur enseignement et de leur catalogage et l'Institut de recherche et des hautes études islamiques Ahmed Baba de Tombouctou ont monté avec des partenaires américains un projet de vulgarisation des manuscrits anciens soutenus par les États-Unis à travers leur ambassade au Mali. Ce projet permettra de rendre accessibles ces manuscrits pour la promotion du savoir. Les détails avec Awasa Nogo. Selon le directeur général, le docteur Mohamed Djagaïté, pour qui l'Institut fait beaucoup de choses qui malheureusement restent dans les tiroirs et ne sont pas connues. À travers ce projet qui bénéficie de l'appui des universités de l'Illinois et de Californie et du soutien de l'ambassade des États-Unis au Mali, le docteur Mohamed Djagaïté dit vouloir cataloguer tous les manuscrits de l'Institut, les mettre en ligne pour ceux qui sont loin puissent les consulter. Dans une salle de catalogage, des expertes se chargent de renseigner les données des 28 732 manuscrits disponibles à Bamako dans la base. Le chercheur Boubacar Diallo explique qu'une fois le numéro du manuscrit, son titre, le nom de son auteur et le thème qu'il traite mis en ligne, il devient à la portée du monde du savoir, les chercheurs, les enseignants et les étudiants pour qu'un maximum de personnes puissent avoir accès à ces manuscrits. Les 38 245 manuscrits de l'Institut, dont 10 487 à Tombouctou, rescapés de la crise, traitent de nombreuses thématiques, dont celle relative à la résolution des conflits, selon le docteur Djagaïté, qui cite l'exemple du manuscrit de El Hadj Oumar Tall qui a tenté de réconcilier Mohamed Bello, Amir de Sokolo et Hamid Borno qui étaient en conflit. Il conclut que les manuscrits peuvent donc servir pour aller vers la réconciliation, la paix et le vivre ensemble. Avec la numérisation, la conservation physique et l'édition des catalogues pour les zones avec des difficultés d'accès à Internet, l'Institut se bat pour perpétuer l'héritage des rédacteurs de ces manuscrits, c'est-à-dire rendre le savoir universel. Actualité sur un tout autre plan, la pluie continue de faire des dégâts à travers le pays. Après Bla et plusieurs autres localités du pays, c'est au tour de la région de Dioïla de subir son lot d'inondations. Ce mardi 13 août 2024, les intempéries ont fait d'importants dégâts matériels. En plus de Dioïla, ville qui a reçu plus de 64 mm, d'autres localités de la 13e région du Mali, telles que Boya, qui a reçu 125 mm, et Ngolobougou, ont été envahies par les eaux de pluie, même s'il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Selon les sources, les dégâts matériels sont à déplorer, dont la destruction des vivres, l'effondrement des maisons et des objets emportés ou détruits. Je vous l'annonçais en début de journal, le vol de bétail en tant qu'activité révélant du crime organisé s'est rapidement développé depuis plusieurs années. Malgré les efforts des forces armées et de sécurité, le phénomène continue notamment dans les régions du centre et du nord du pays. Ces derniers jours, les malfaiteurs ont enlevé tout le bétail d'un village dans les environs de Gao. Alamakou Diabaté nous en parle. En effet, des hommes armés à moto ont volé le mardi 6 août 2024 tous les animaux restants du village de Kadi dans la commune de Gouzoureï. Selon les habitants, la veille aux alentours des midi, des hommes armés ont attaqué le village d'Arhabou dans la même commune avec l'intention d'épiler les boutiques. Les mêmes sources ajoutent qu'ils ont tiré en l'air pour effrayer les habitants, provoquant des cris et la panique. N'ayant pas réussi à piller les boutiques, ils ont fui. Une femme a été légèrement blessée, rapportent les habitants. Selon un rapport de l'Institut de recherche et de sécurité ISS, pour les groupes extrémistes, le bétail enlevé est devenu une source de financement et un moyen de subsistance. La revente sur le marché parallèle à un prix inférieur à celui des recours officiels leur permet ensuite de s'approvisionner en armes,
en évitant de se rendre aux foires et marchés toujours plus vides de la région. Heureusement que les forces armées maliennes ont commencé à démanteler plusieurs réseaux de voleurs de bétail. Les forces armées ont commencé à démanteler des réseaux de vol et ici à Bamako, un réseau de vol de recel de motos et de trafic de drogue a été démantelé. Le commissariat de police de Bulkasombougou a mis la main sur un réseau de vol de recel de motos et de drogue à Bagadadji. Et à ce jour, 5 individus ont été mis hors d'état de nuire et l'enquête reste ouverte. Youssouf Koulibaly. Selon nos confrères du journal Kodjougou Keleba, il a en effet fallu le vol d'une moto Jakarta dans la nuit du 8 au 9 août 2024 dans un domicile à Bulkasombougou en commune 1 du district de Bamako pour que les gigantesques réseaux de vol et de recel de motos, de trafic de drogue et dealers soient également démantelés en commune 1 et 2 du district de Bamako. Le commissaire principal Drissa Samake, dit Roger, chargé du commissariat de police de Bulkasombougou et son adjoint, commissaire de police Barka Kamara, ont frappé fort le dimanche 11 août 2024. Ils viennent en effet de démanteler un réseau de voleurs et de receleurs de motos et mis hors état de nuire un réseau de vendeurs et de consommateurs de drogue dans le milieu à Bagadadji. Le milieu désigne ici une zone spécifique du quartier considérée comme le nid de la pègre. La moto volée a été retrouvée 2 jours seulement après le vol à Sotiba sur dénonciation d'un informateur. Interrogé, les mises en cause du nom de Rémi a reconnu avoir volé l'engin dans la nuit du 8 au 9 août 2024 dans un domicile à Bulkasombougou et de déclarer l'avoir vendu à 30 000 francs CFA à un certain tonton dans le milieu à Bagadadji. Le 12 août 2024, aux environs de 6 heures, en compagnie du nommé Rémi, une équipe sous la conduite de l'adjudant-chef de police Cheikh Osidibé, chef de brigade de recherche, a procédé à l'interpellation du nommé Tonton en compagnie d'un autre suspect du nom de David. Des fils en aiguille, des dénonciations en interpellation, 5 caïds ont été appréhendés. Il s'agit, en plus de Rémi et Tonton, de Madou, David et So. Ils étaient en possession de 3 motos, dont 2 des marques TVS et l'autre de marque adjacente. La perquisition a permis de retrouver la moto Jakarta dont le vol a été déclaré et une autre moto Jakarta de provenance douteuse. La perquisition menée chez Tonton à Bagadadji a également permis de découvrir une quantité importante de cannabis et un ordinateur portable de marque Toshiba. Selon les premiers résultats de l'enquête, les engins étaient cédés entre 30 000 et 50 000 francs au potentiel receleur. Les mises en cause, au nombre de 5, seront mises à la disposition de la justice. L'enquête reste ouverte pour traquer les éventuels complices. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Bonsoir.